Je voudrais d'abord vous présenter mes voeux les meilleurs, les voeux de paix, de bonheur, de prospérité et de santé. Cela d'autant plus que nous sommes encore en période de Noël, où nous avons célébré la naissance parmi nous du Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui est venu dans le monde pour sauver l'homme, pour que l'homme puisse vivre dans la paix, dans la joie, dans la fraternité et l'amour. Justement, les lectures de ce jour sont des lectures du temps de Noël. C'est pourquoi, dans la première lecture de la lettre de la première lettre de Saint Jean, il nous parle des enfants de Dieu. Il nous dit qui sont les enfants de Dieu. Ce sont ceux qui pratiquent la justice, ceux qui évitent de pécher, de faire le mal, ceux qui aiment leurs frères et sœurs, ce sont ceux-là, les enfants de Dieu, nous dit Saint Jean dans la première lecture. Et dans le même ordre d'idée, l'Évangile nous présente Jésus comme l'agneau de Dieu. Jean-Baptiste le présente ainsi aux premiers disciples qui veulent suivre Jésus. Il veut par là nous rappeler quelle est la mission de ce Fils de Dieu qui est venu dans le monde, qui est né comme l'un de nous. Sa mission est d'être l'agneau de Dieu, l'agneau qui se sacrifie pour le salut de l'humanité. L'agneau qui vient pour sauver l'homme du mal, du péché, du diable et de la mort. C'est ça la mission de Jésus lorsqu'il vient dans le monde. C'est pourquoi ce lecture pour moi tombe bien à propos pour la circonstance qui nous réunit ici en ce moment, celle de commémorer nos frères et sœurs qui sont morts pour la patrie, pour l'indépendance du Congo, qui sont morts pour que ce pays puisse être un pays souverain, un pays indépendant, un pays de paix, de fraternité, de prospérité et d'amour. Or, si nous regardons aujourd'hui, 65 ans après, nous pourrons dire en toute honnêteté que nous sommes loin du compte. Nous avons encore des problèmes de paix. Nous en savons quelque chose dans notre province où il y a toujours la guerre du 1-2-3, voilà déjà 2 ans. Dans notre province, où même l'intégrité territoriale de notre pays est menacée. Ce pays où des millions de nos frères vivent aujourd'hui dans des camps de déplacés et qui continuent encore aujourd'hui à remplir ces camps de déplacés. Puis, chers frères et sœurs, la situation de notre pays aujourd'hui est préoccupante. Cela doit nous interpeller. D'autant plus qu'aujourd'hui, nous sommes dans cette période post-électorale où nous attendons les autorités qui dirigeront notre pays durant les 5 ans à venir et qui nous seront proclamées par la CENI. Nous connaissons déjà la proclamation provisoire du chef de l'État, mais nous avons été surpris de voir qu'on a reporté la proclamation des députés nationaux. Cela nous préoccupe. Mais
C'est avec foi et espérance que nous sommes réunis ici aujourd'hui. Nous avons foi et nous avons l'espérance que Dieu aime ce pays, que Dieu nous aime et qu'il y aura toujours des hommes et des femmes, des Congolais ou d'ailleurs, qui seront prêts à se sacrifier pour ce pays, comme l'ont fait nos frères et sœurs ce 4 janvier 1959. Et ce pays a besoin de ces gens-là, de ces hommes et de ces femmes qui acceptent de s'oublier, d'oublier leurs intérêts personnels, égoïstes, individuels, pour l'intérêt général de la nation, pour l'intérêt général des Congolais, pour la prospérité des Congolais, pour la paix dans ce pays. Comment allons-nous y arriver, nos frères et sœurs, si nous n'avons pas encore compris ces paroles de Saint Jean qui nous dit à ceci, se révèlent les enfants de Dieu, ceux qui pratiquent la justice. Ça veut dire qu'ils vivent dans la vertu, ceux qui aiment leurs frères et sœurs, ceux qui pratiquent la charité, la solidarité. C'est cela, mes frères et mes sœurs, que nous devons entendre aujourd'hui au fond de notre cœur. La dignité des enfants de Dieu que promet ce texte de Saint Jean n'est pas une utopie. Saint Jean nous dit seulement à ne pas vivre de fausses espérances, à nous méfier de ces idoles que nous présente le monde d'aujourd'hui, ces idoles de pouvoir, de richesse, de plaisir, d'individualisme. Nous devons nous en méfier. Nous devons nous méfier de toutes ces antivaleurs qui sont véhiculées par des doctrines de notre époque, des idéologies qui viennent notamment aujourd'hui de l'Occident et d'ailleurs. Nous devons nous en méfier, mes frères et sœurs, pour que nous puissions enraciner notre vie, notre pratique de la justice, notre esprit de responsabilité dans la justice, la vérité, l'honnêteté, la droiture, ainsi éviter le mal, éviter le péché. Ce mal aujourd'hui, nous le voyons bien devant nous, dans notre pays. Aussi longtemps qu'il y aura dans notre pays des personnes qui vivent encore dans des camps de déplacés, dans la misère la plus loin, aussi longtemps que nos prisons seront toujours surpeuplées avec des personnes non jugées ou arbitrairement incarcérées, aussi longtemps qu'il y aura des enfants de la rue dans nos cités, des veuves maltraitées, oubliées, méprisées, aussi longtemps qu'il y aura des morts par la guerre ou par la famine, aussi longtemps qu'il y aura des malades non soignés par manque d'argent ou des infrastructures sanitaires à leur portée, aussi longtemps qu'il y aura des gens restent vains. Je pense que nous avons aujourd'hui, mes frères et mes sœurs, la responsabilité d'honorer ces frères et sœurs qui sont morts pour ce pays. Que chacun de nous sente au fond de lui-même que le développement de ce pays, la prospérité de ce pays, ne dépendra que de lui-même, de son propre engagement, de son propre sens de sacrifice, d'abnégation, son propre sens d'intérêt général de tous les Congolais. C'est ce que je voudrais aujourd'hui que nous puissions ensemble demander au Seigneur que chacun et chacune de nous ne puisse pas toujours penser que c'est l'autre qui est responsable de la misère, que c'est l'autre, c'est à propos de l'autre que le pays ne marche pas, mais que chacun se dise, et moi, qu'est-ce que je fais pour le pays?
Nous connaissons tous cette adage célèbre d'un président des États-Unis qui disait à ses frères et sœurs américains, ne vous demandez pas qu'est-ce que l'Amérique fait pour moi, mais demandez-vous qu'est-ce que moi je fais pour l'Amérique. Demandons-nous aujourd'hui, mon frère et sœur, qu'est-ce que moi je fais pour le Congo. Ne suis-je pas quelque part complice de tout ce qui arrive de mauvais à cause de la corruption, à cause des détournements de fonds publics, à cause de la négligence dans nos responsabilités, à cause du manque de ponctualité dans les services, à cause de la perte du sens du travail bien fait, bien fini. Oui, mes frères et sœurs, c'est chacun et chacune de nous aujourd'hui qui doit se dire là où je suis, là où Dieu m'a placé, parce que c'est Dieu qui nous donne la responsabilité que nous avons. Là où Dieu m'a placé, je dois être le premier à me sentir responsable de l'avenir des Congolais dans notre pays. Alors prions ensemble le Seigneur Jésus qui est né parmi nous dans la nuit de Noël, afin qu'il ouvre notre intelligence et ranime notre volonté pour que nous devenions nous-mêmes les premiers responsables de l'avenir de notre pays, les bâtisseurs d'un pays plus prospère, plus fort, un pays plus fraternel, plus uni et plus juste. Le Seigneur soit avec vous. Excellence, Monsieur le Gouverneur, le vice-gouverneur de province, représentant spécialement le gouverneur militaire de notre province, en général, messieurs les membres du Conseil provincial de sécurité, messieurs les représentants de la MONUSCO et des organismes des Nations Unies, messieurs les chefs de services étatiques dans notre province, révérend Zabé, révérend sœur, révérend frère, chers frères et sœurs dans le Seigneur, chers représentants des confessions religieuses, distingués invités en vos titres de qualité, et vous tous, hommes et femmes de bonne volonté, je vous souhaite la bienvenue en cette messe d'action de grâce et de prière au Seigneur en mémoire de nos frères et sœurs morts pour l'indépendance de notre pays un certain 4 janvier 1959. Voilà aujourd'hui 65 ans où ces frères et sœurs sont morts pour que le Congo soit un pays indépendant, un pays souverain, un pays prospère, où les gens vivent dans la paix, dans la fraternité et dans le bonheur. C'est pourquoi je voudrais qu'aujourd'hui, dans cette célébration eucharistique, nous puissions rendre grâce au Seigneur pour tous nos frères et sœurs qui sont morts, pour que ce pays soit un pays indépendant, souverain, où il fait bon vivre. Je pense spécialement à nos frères et sœurs, nos vaillants militaires, qui tombent chaque jour sur le front de la guerre. Je pense aussi à tous ces hommes politiques qui, pour témoigner de l'amour de Dieu, de leur amour pour ce pays, ont perdu leur vie. Aujourd'hui, il est important de pouvoir rendre grâce au Seigneur pour eux et de le prier afin que leur mémoire ne reste pas vaine, afin que chacun et chacune de nous
sentent au fond de lui-même cette mission que le Seigneur lui confie comme son enfant de pouvoir construire un pays plus fraternel, plus humble, un pays de paix, un pays accueillant, un pays de prospérité. Mais nous savons bien, mes frères et mes sœurs, que nous sommes des hommes et des femmes pécheurs, des hommes et des femmes faibles. Et souvent, notre égoïsme, notre orgueil, notre individualisme nous a empêchés de nous engager vraiment par amour pour ce pays, pour sa construction. C'est pourquoi, frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je le prends.